Bonjour. Eh bien, c'est le moment de vous expliquer un petit peu les énergies de cette prochaine pleine lune qui aura lieu le 30 novembre vers 9 h du matin. Alors, j'ai dressé le thème de cette pleine lune pour effectuer avec un ascendant Sagittaire qui est en référence à notre hexagone. Mais c'est pas le plus important, l'ascendant d'une pleine lune, hein, puisque ça va varier d'un pays à l'autre. Ce qui est important, c'est exactement tout ce qui va pouvoir se poser comme énergie et comme question par rapport à cette lunaison. Alors, il y a du monde. Au départ, quand on commence à rentrer dans cette pleine lune, on dit, bon, alors pleine lune, vous le savez bien, c'est extraversion, n'est-ce pas? Puisque le soleil et la lune vont s'éblouir, sont face à face. Surtout que là, il s'agit d'un soleil qui est extraverti par nature, puisqu'il est part à la conquête comme tous les sagittaires. En face, vous avez la lune qui est en gémeaux et qui, elle, ne demande qu'une chose, c'est aussi bouger. C'est entreprendre, c'est communiquer, c'est dire. On est plus dans le côté je dire que dans le côté faire. On est encore en train, on est dans un mode en ce moment de pensée qui se réactive et qui veut entreprendre quelque chose. C'est tout à fait au goût du jour d'ailleurs. Donc le piège, ça va être de ne pas succomber à l'inertie, parce que qui dit examen de cette pleine lune va aussi nous montrer des aspects d'ailleurs que j'ai tracés. J'ai tout tracé avec amour pour vous. J'ai tracé tous les aspects aussi avec les autres planètes de notre système solaire. Les autres planètes qui existent, qui ont un impact, que j'ai étudié depuis plusieurs années, et qui, là, pour cette lunaison, ont beaucoup de messages à nous apporter. C'est pas une lunaison extrêmement pratique. Alors, si on se réfère effectivement qu'aux positions des planètes traditionnelles, bon, pourquoi pas? Mais là, vous me connaissez, vous savez qu'on va aller un peu plus loin. Alors, cette pleine lune, donc sur l'axe Sagittaire-Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe en ce moment aussi sur l'axe Sagittaire-Gémeaux? On a l'axe des nœuds lunaires. Qui dit nœud lunaire, le nœud nord étant celui du fatum, un peu de la destinée. Il est en Gémeaux, comme tout le monde le sait. Et juste en face, nous avons ce qu'on appelle aussi la queue du dragon. Nous avons le nœud sud qui parle du cycle passé, qui parle aussi de ce qu'on a ramené de nos expériences. Donc c'est un peu comme une voiture balai, l'axe des nœuds, qui tous les 20, 21 ans, parfois 19 et des brouettes, va faire le tour du zodiaque. Donc en ce moment pour les Gémeaux, eh bien, prendre son élan, aller vers la destinée, etc. Et nous, au niveau du collectif, comme cette lunaison est en accord, bon, ce n'est pas une conjonction très, 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 très exacte, mais quand même, 20 degrés l'axe des nœuds et 8 degrés la lune, bon, l'orbe permis est de 12 degrés, on peut effectivement dire que cette lunaison va nous parler d'action dans le verbe, dans entreprendre par le verbe, communiquer. OK. Alors, quels sont les aspects majeurs que va recevoir donc cet axe de lunaison? On va commencer déjà aussi par les planètes rapides, qui sont Mercure et Vénus, qui sont encore dans le signe du Scorpion. Alors, quand les planètes rapides, elles sont directes et elles sont dans le signe du Scorpion, on est en train de revoir nos bases, nos fondamentaux. On est en train, alors ça peut paraître un peu toxique parfois aussi, hein. Ça peut paraître toxique si on n'y met pas justement ce désir de renouveler, de trier, d'épurer certaines situations. Je crois qu'en ce moment, c'est tout à fait au goût du jour, n'est-ce pas? Alors, Vénus, qui se trouve au début, dans la première décade donc du Scorpion, là, elle est bien reliée par un sextile avec notre ami Pholus, qui lui est toujours en Capricorne et qui demande justement, Vénus c'est le bien-être, hein.
Folus, c'est aussi une forme de bien-être, c'est comment je vais rendre service aux autres. Comment, SOS, j'ai besoin de vous. Bon, d'accord. Alors, Folus, il est dans le Capricorne. Donc, au niveau de la société, il y a des besoins impératifs d'aide, de secours. Oui, c'est un petit drapeau, Folus. C'est un peu, bon, bah, effectivement, il est au début du Capricorne. Il va y rester longtemps parce que le cycle de Folus est de un peu plus de 91 ans. Son cycle est donc supérieur à celui d'Uranus. Donc, en ce moment, Folus, début Capricorne, dit. Aïe, 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 mais j'ai besoin d'aide. Mais alors, je crois qu'en fin de compte, il ne faut pas se contenter d'observer notre petit nombril dans notre petit hexagone en disant, il y a le Covid, il y a les masques et tout ça. Ça va beaucoup plus loin, le besoin d'aide. Ça va beaucoup plus haut. Et quelque part, il va peut-être falloir s'évader. Justement, on verra avec Neptune comment on va pouvoir essayer de voir un peu plus clair. C'est pas évident en ce moment. Mais là, le désir de bien-être. Du scorpion qui cherche à analyser, qui va. Oui, en fin de compte, le Vénus en scorpion, elle analyse, elle décortique, elle coupe les cheveux un petit peu en quatre, mais bon, c'est point grave puisque de toute façon, le but est d'épurer. D'ailleurs, vous allez voir, il y a beaucoup d'autres planètes qui vont demander l'épuration. De quoi? On va voir et je vous en laisserai aussi tirer les conclusions. Là, vous avez encore deux autres planètes, enfin. Un planétoïde, on a Junon, le rapport à l'autre, qui est resté toute l'année, pratiquement 2020, dans la balance et qui créait quand même un petit peu des moments toxiques au niveau des couples, au niveau relationnel, etc. C'était pas évident. Maintenant, elle est en scorpion. Bon, bah, Junon en scorpion, là aussi, elle a besoin aussi de se récupérer. Elle a besoin. D'analyser les situations. C'est pas évident, évident. On va attendre pour qu'elle soit mieux épanouie. Eh bien, on va attendre le mois prochain qu'elle passe en Sagittaire, mais c'est une autre histoire. Mercure, lui, il est toujours aussi en train de poser des questions. Un Mercure en Scorpion, oui, mais avec un Mercure en Scorpion, 2 et 2, c'est pas toujours 4. Non, c'est plutôt 1,5 plus 2,75, ça peut faire 4. Enfin, c'est très compliqué. Un Mercure Scorpion, on a besoin d'aller au fond des choses, d'analyser et puis de trouver quelque chose. C'est très scientifique. C'est très scientifique, c'est très statistique. C'est l'analyse, l'analyse. Alors, pour un thème collectif, on est tous en ce moment peut-être dans une forme d'analyse au niveau des informations. Il y a peut-être aussi une transformation au niveau des sources, médiatiques, etc. Ça bouge. D'autant plus que ce Mercure est conjoint donc à Junon, qui, elle, nous dit nouvelle relation, peut-être plus ou moins toxique, mais il faut être déterminé à creuser les choses. Oui, on va à ça pour creuser, on va avoir à creuser. Donc, ce qui se passe là dans le scorpion va être automatiquement, scorpion, signe d'eau, ça va être lié aussi à ce qui se passe dans le signe du poisson. Et dans le signe du poisson, si vous m'écoutez depuis longtemps, vous savez que quelque part depuis pratiquement 2009, quoi, juste à peu près quand j'ai commencé à faire les vidéos sur YouTube, etc., eh bien, nous avons eu l'entrée de Neptune dans le signe du Scorpion. Donc, il ne sortira, ce Titan, ce Poséidon, n'en sortira que en 2025. Donc, il a encore du ménage, un peu des tsunamis, là, des vagues de fond à soulever. D'autant plus que c'est relié, vous voyez, avec tout ce système scorpion qui demande de l'analyse. Or, Neptune en poisson, on va dire, des fois, ça, on peut prendre la fuite, on peut avoir envie de fuir. Si on n'a pas la foi, si on n'est pas déterminé à tenir notre chemin de pèlerin, effectivement, on peut prendre la fuite. Bon, à côté de non, c'est pas tout à fait à côté, mais dans la même région, on va dire, dans le même pays de notre zodiaque, nous avons aussi une planète, Nessus. Je vous en ai déjà parlé. Nessus qui est à 10 degrés du signe du poisson. Et Nessus, c'est un peu le bad boy quand même, hein, des fois. Hein. Nessus, c'est celui qui veut absolument revendiquer sa place. C'est bien,
on a tous, puis il y en a d'autres, hein, qui, d'autres planètes qui vont nous stimuler dans ce sens-là. Mais il a un petit côté quand même un peu, je vous dis un petit peu bad boy parfois sur les bords, parce qu'il a l'intention vraiment d'être. Il y a un petit côté vengeur. Hein. Bon, c'est dans le poisson, il revendique quelque chose. Alors, est-ce qu'il ne revendique pas justement le fait de retrouver la foi ou le chemin de la foi? Ça dépend de vos thèmes personnels. Hein. Mais là, Punessus va rester un petit moment ici. Il est accompagné par une grande déesse dont je vous parle souvent. Il est accompagné par Cérès, maîtresse du signe de la Vierge. Elle est là. Elle est dans le quatrième degré du signe du poisson. Alors, elle y a déjà été, je crois, à la fin de l'été. Elle était déjà rentrée en poisson l'année dernière, enfin l'année dernière en 2020. Et puis ensuite, elle est revenue un petit peu en Verseau. Et puis maintenant, elle est à nouveau en poisson. Alors, Déméter, Cérès, c'est la planète du travail. C'est la planète aussi du soin, c'est l'infirmière un peu. Les relations avec Cérès ne sont pas toujours de l'ordre de la maternité, surtout pas, mais de l'éducation. C'est la mère éducatrice, civilisatrice. Ce n'est pas la bonne maman qui couve et qui surveille, non. Il y a un côté très contrôle avec Cérès. Il n'y a pas beaucoup d'affect et il y a pas, on ne peut pas dire que ce soit réellement une planète de tendresse et d'amour. C'est une planète de travail. Et quand on ne travaille pas, qu'est-ce qui se passe? Et là, en ce moment, il y a des problématiques, justement, avec le travail. Ça, je ne vous apprends rien. Mais en ce moment, bah, c'est un peu dans l'eau, le travail. Cérès est en poisson. Alors, et où sont les moissons? Comment est-ce qu'on peut travailler? Comment est-ce qu'on ne peut pas se nourrir que d'amour et d'eau fraîche? Bon, là, ça parle beaucoup d'eau fraîche, mais qui peut être un peu toxique aussi, parce que là, depuis le temps que Cérès macère dans le signe du poisson, ça peut devenir les eaux troubles. D'autant plus que Cérès, alors là, j'arrive sur un point important de l'analyse de cette lunaison, c'est que Cérès, elle reçoit une opposition avec deux bazookas qui sont en face, dans le signe de la Vierge. Signe de la Vierge, c'est effectivement, comme je vous l'ai dit, le signe de la Vierge est sous la maîtrise, entre guillemets. J'aime pas trop le terme maîtrise, mais enfin, c'est pas grave. Je vous le mets quand même. La maîtresse du signe de la Vierge, c'est Cérès. Or, elle est juste dans la constellation en face. Elle a un peu quitté le grenier, oui. Ah, le grenier, la cave, etc., où on met la nourriture. Où elle a l'hôpital aussi, un peu, parce que c'est une très très bonne infirmière, c'est un très bon médecin, mais c'est aussi la maladie, la pandémie, etc., puisque c'est à côté de Nessus et que c'est à côté de Neptune. Alors, dans le signe du poisson, là, entre le signe d'eau du scorpion, où les choses macèrent d'une façon peut-être un peu toxique et empoisonnante, eh ben, on a aussi le côté rêveur et le côté peut-être insouciant au niveau collectif. D'une autre forme d'eau qui est celle de la foi, mais j'ai foi en quoi? Est-ce que je vais retrouver mon travail? Est-ce que je vais retrouver de quoi me nourrir et nourrir mes petits? Enfin, tout ça, c'est une image, hein, c'est à vous de. Donc, vous voyez là, ici, ces deux signes d'eau sont vraiment très importants. Bon, parce que ce sont dans l'eau, tout peut se passer, mais ça dépend de quelle qualité est votre eau. Voilà. Alors justement, parlant de la qualité de l'eau, quand je vous disais qu'on nageait un peu en eau trouble, c'est parce que juste en face de Cérès et de Nessus, nous avons dans le signe de la Vierge, Vesta, Vesta, le bazooka, celle qui cherche vraiment à passer ses connaissances, à éclairer le terrain. C'est un double Pluton, hein. Les Vestales aussi pouvaient être sacrifiées elles pouvaient être sacrifiées si elles désobéissaient. Donc là, on nous demande d'obéir avec la maîtresse de la Vierge qui demande obéissance. Mais en face, on a Vesta qui dit bah moi, j'ai envie de transmettre la vérité, j'ai envie de dire des choses, j'ai envie d'être dans le travail, parce que Vesta, elle est dans le signe de la Vierge. Et puis, bah, le signe de la Vierge, c'est aussi le quotidien,
la maladie, la santé. Et ben là, c'est pas clair. C'est pas clair au niveau d'une pandémie comme au niveau des postes de travail. On ne se rend pas encore bien compte jusqu'à quel point ça va être pénible, peut-être. S'il y en a beaucoup déjà qui commencent à se rendre compte, mais on ne sait pas l'objectif. Quel est l'objectif de cette opéra? Jusqu'à où ça peut aller? Ouais, alors qu'il y a des intentions toxiques ici, hein, d'accord? Donc là, on a Orcus. Orcus, c'est quand même une planète de défi. Orcus, c'est... il recherche son indépendance. Il y a quelque chose d'extraverti aussi dans Orcus. Donc là, Orcus, dans le signe de la Vierge, il pose un défi. Est-ce que tu vas passer? Est-ce que tu vas... Comment tu vas passer à travers cette expérience de misère, entre guillemets? Cette expérience aussi où ça va chauffer, parce que Vesta est à côté. Cette expérience donc de lumière, de mise en lumière de certaines choses qui sont un peu troubles. C'est tout à fait ça. Hein? Alors Orcus nous demande au niveau collectif de passer donc... comme une espèce de rituel, mais un rituel, attention, bien pensé. Il y a du sens dans la Vierge. On n'est pas, c'est pas glauque, hein, c'est, on n'est pas dans le corps, voilà. Là, on est dans la terre. Orcus est dans un signe de terre et il nous demande de reprendre une indépendance au niveau du travail, tout au moins de mettre en œuvre de quoi travailler. Vesta à côté, elle aussi, ce bazooka nous dit, mais attention, là, il y a des choses qui sont trop glauques. Et c'est glauque et c'est noyé aussi par Vesta et Nessus qui sont en face. D'accord. Alors, attention, hein, je ne dis pas que toutes les vierges sont en ce moment en train de travailler, mais ça serait pas mal, et que tous les poissons sont complètement en train de nager et de couler. C'est pas du tout ça. Hein. C'est un aspect, j'examine là, quelque chose d'ultra collectif. Ok. Alors, on en était donc à cette opposition, et de cette opposition qui est pratiquement au milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est comment on réagit au niveau sociétal, pour, tout au moins pour notre hexagone. Okay. Alors, de cette conjonction entre l'ogre, Orcus, mais en fin de compte, quand on n'a pas peur d'Orcus, on s'élève. Et puis, la vérité, Vesta à côté, qui chauffe, qui demande des vérités. Ça va bouger hein, quand même. Hein. On peut pas l'empêcher, là. Là, il y a quelque chose d'un peu... C'est une dynamite. On passe dans une épreuve, mais on s'en sort avec la lumière. Mais ça va, on va pas s'en sortir tout de suite, quand même. On n'est qu'au début d'un grand défi. Alors, de cette conjonction de l'ogre et de la vestale, eh bien... Quand on examine le thème de cette nouvelle lune, c'est carré justement à cette nouvelle lune, au soleil et à la lune. Ah bah oui, mais alors, d'un certain côté, on doit passer dans un rituel, on doit éclairer et puis être un peu bazooka en nous-mêmes et être clair en nous surtout. Hein. Et puis là aussi, on recherche du travail. Ah bah oui, mais c'est carré à l'axe des luminaires. Bah alors comment on va s'en sortir? C'est dur. Ah ben, on va aller voir. On va aller voir justement où il y a le mode d'emploi, tout au moins le faire. Comment on va faire? La planète qui nous renseigne sur comment on va faire, c'est Mars. Bon, on va aller voir ce que nous dit Mars. Alors, Mars, où es-tu? Il est toujours dans le signe du bélier depuis le mois de juin. Il va bientôt... Allez, je vous fais encore deux lunaisons et il s'en va. Il va passer... Il va rejoindre Uranus après, en taureau. Ça sera encore une autre histoire. Alors, là pour l'instant, Mars est à 17 degrés du bélier. Il est ici. J'ai tracé un petit carré. Ce n'est pas un carré très, très, très exact. Mais on le sent tellement dans l'ambiance, dans nos journaux télévisés, à l'intérieur de nous aussi, dans nos groupes, etc. On le sent quand on parle justement... Bah, à notre boulanger, à n'importe qui. Voilà, ce Mars-là, il est quand même carré un peu. Non pas à Pluton, ça y est, c'est passé, mais il est carré à Jupiter. Jupiter, celui qui veut s'en sortir, l'épanouissement, le patriarche un peu.
C'est carré aussi à Saturne, la loi. Et puis c'est carré encore à Pallas Athénée, la stratégie. Alors je vous disais, bah, comment on va faire? Et bah, là, il y a encore du blocage. On est encore dans une période de... pas d'acceptation, parce qu'on rumine. Hein, mais quelque part, on est encore dans une période où cette quadrature, cet aspect de Mars avec d'autres planètes, puis on va voir qu'il y a d'autres aspects aussi qui vont en découler, c'est gênant. Est-ce qu'on ose ou on n'ose pas se manifester, dire les choses ou... En tous les cas, ce n'est pas un moment que je conseille, évidemment, puis moi, ce n'est pas trop mon truc de conseiller la violence, mais c'est, même si le fond de cette lunaison est plutôt très, très violente, mais par en dessous, hein, c'est violent par en dessous, avec des forces un peu cachées, etc. Ce n'est pas le moment de rentrer dans justement, j'éclate. C'est un moment où on est, je vous le rappelle, dans le scorpion. On est en train d'analyser. D'ailleurs, notre Pallas Athénée, la stratégie, comment je suis en accord avec les plans, avec les autres, comment je peux compter mes troupes. Eh bien, regardez, Pallas Athénée, conjointe à Saturne, conjointe à Jupiter. Encore pendant un mois, tout ça. Après, ça passera en Verseau, ça sera encore une autre histoire. Mais en ce moment, Pallas Athénée, elle est sextile à qui? Elle est sextile justement à Mercure qui est en train d'analyser des situations. Et elle est aussi sextile au groupe. Elle est sextile à la relation aux autres. Donc se mettre en relation avec des personnages qui ont le même sens, le même bon sens, oui, c'est le moment. C'est le moment d'être dans la sagesse pour bien construire plus tard, peut-être ce qui va être un peu explosif. On peut le sous-entendre, ok? Alors, de cette conjonction-là, surtout, là, qui est toujours en Capricorne, eh bien, on nous demande encore de patienter avec sagesse. Mais ça ne veut pas dire qu'on reste inactif. Certainement pas. Ça ne veut pas dire non plus végétatisme. Ça veut dire réflexion, pensée. Ça veut dire aussi, puisque n'oublions pas que l'axe des luminaires étant Sagittaire-Gémeaux, ça veut aussi dire mais communication, réseau. Ben, les réseaux sont en place. Mais on dirait des fois que il y a comme des blocages. On ne sait pas trop d'où ça vient. Mais c'est vrai que tous ceux qui s'expriment, soit sur Facebook, etc., ou d'autres réseaux, eh bien, il y a quand même des dérapages. Il y a des choses qui bloquent. Il y a des choses qui ne passent pas. Bon, il y a un contrôle. Le contrôle, c'est notre ami. Enfin, ça dépend comment on la regarde, Cérès. Mais elle contrôle la situation. Jupiter, le gouvernement de Saturne, eh bien, c'est allié avec la stratégie. On dirait qu'en ce moment, il y a une stratégie au niveau des gouvernements pour tenir les rênes, mais tout est emballé. Donc, jusqu'à quand ces gouvernements, je ne parle pas du tout que de notre équinoxe, de notre hexagone. Mais jusqu'à quand toutes ces forces vont tenir? On a déjà des exemples d'autres lieux sur Terre où ça se passe beaucoup mieux, où on ne nous baratine pas. Parce que là aussi, je reviens sur Mercure. Mercure en scorpion qui manipule. Et qui manipule aisément qui? Qui manipule, en fin de compte, le côté sociétal. Et qui nous emprisonne. Alors bon, dans quelques jours, notre Mercure va passer en Sagittaire. Donc là, ça va être une autre expression pour la semaine prochaine, pour, on va dire, pour avant la fin du mois, hein, et puis début décembre. Début décembre, là, Mercure va s'exprimer. Il ne sera plus enfermé à côté du vieux Jedi qui croit tout savoir. Ok. Alors, on va continuer notre parcours. Tout à l'heure, j'étais arrivée au pays des béliers, là, ici.
Et dans le pays des béliers, eh bien, le premier planétoïde très important que l'on va trouver dans la première décade, on va trouver Chiron, l'esprit, la dévotion, le thérapeute, le guérisseur, enfin, la sagesse aussi, hein, l'enseigneur. Bah, il est en bélier, donc il a envie de passer des mots d'ordre qui sont plutôt celles du pacifisme, de rester calme les troupes des centaures. Ah bah oui, c'est dans la nature de Chiron, de calmer les troupes. Mais quand on étudie justement la position de Chiron et qu'on connaît son histoire, à force d'être toujours un peu dans sa grotte, c'est lui qui va être blessé, c'est lui qui va être victime. Chiron est opposé à qui? À Makemake. Makemake qui est tout le contraire. Makemake, c'est l'aigle, la puissance. C'est un peu dévastateur, hein, c'est le cyclone. Un besoin de s'affirmer, on a tous maquémaqué dans nos thèmes, hein, faut le savoir. Hein. Mais il ne va pas avec le dos de la cuillère, maquémaqué. Hein. C'est une planète qui va nous mettre dans des retranchements absolus, un peu comme Eris d'ailleurs, qui se trouve à côté de Mars. Ce n'est pas une planète tendre, c'est une planète qui bouscule et qui nous dit, mais sort du côté glauque, quoi. Alors, Makemake, depuis un bout de temps, est dans le signe de la balance. Est-ce que toutes les associations d'êtres, etc., est-ce que tous les est-ce que la justice existe? Ça, c'est une drôle de question, hein, parce que Makemake, dans le signe de la balance, rechercherait par le pouvoir, par la force, puisque c'est comme un peu un prédateur quand même, Makemake, au départ. Hein. Il faut connaître vraiment sa leçon pour pouvoir être confronté à cette force. C'est un peu un typhon. Bah, il est conjoint à un autre astéroïde qui lui parle et tout à fait le contraire. Alors là, Eros. Eros, c'est le dieu de l'amour. C'est l'amour universel. C'est la relation avec vos parts divines. Ah ben alors là, comment avancer entre Makemake, qui est à 7 degrés de la balance, et puis juste à côté d'Eros, qui lui aussi est dans le premier décan du signe de la balance, mais à quel saint se vouer? Bon, chacun y trouvera certainement des réponses, mais là, il y a vraiment une question de foi, une question de confiance, une question de révolte aussi. Est-ce que nos parts divines ne seraient-elles pas d'accord pour que quelque part on bouge un peu plus? Ça dépend de vos thèmes personnels. On voit effectivement que Makemake, ce dieu de la discorde, mais c'est pas une discorde pour être dans la discorde, c'est pour nous pousser à, en fin de compte, nous élever. Comme on le dit si bien, ce qui nous ne tue pas nous fait grandir. Eh bien là, au niveau collectif, vous voyez, c'est relié par un trigone avec la Lune et donc automatiquement avec le Soleil. En ce moment, on devrait se poser les bonnes questions. Quel est ce défi à relever? Avec la foi, avec du courage. Parce que Mars en face, en bélier, c'est quand même. C'est la signification aussi du courage, d'être confronté à des situations et d'y faire face. Makemake nous proclame exactement la même chose. Alors, est-ce que le message subtil de cette lunaison, ça serait peut-être, eh ben, préparez-vous à vous réveiller. On a Chiron, là, l'esprit bouddhiste ou christique, etc., qui est en train de converser. Est-ce une opposition ou une complémentarité? Au niveau collectif, j'ai l'impression que c'est un peu les deux et que ça divise en ce moment un peu la façon de penser, on ne sait pas très bien, etc. Mais il y a une nécessité de faire alliance là, ici, entre Chiron, qui au début du bélier, oh, qui revendique quelque part son sens du courage et d'aller aider les autres. Alors, aider les autres, on va être relié automatiquement aussi avec Pholus, qui est au début
du Capricorne. Chiron et Phoebus, ce sont deux centaures qui normalement sont reliés, qui sont dans le même accord et dans le même état d'esprit pour sauver les autres, aider les autres. Des fois, ils sont un peu sacrifiés. Bon, d'accord, ok, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Mais là, on voit qu'ils sont séparés. Allô, t'es où? Ça ne communique pas. Et alors qu'ils ont besoin de se retrouver. Mais pour l'instant, on va dire que quelque part, ils ne sont pas dans le même pays. Ça ne nous arrange pas. En ce moment, ils ne correspondent pas. Et puis, on voit que Chiron est opposé à Makemake. Alors, le message subtil, ça serait peut-être de dire, justement, j'en reviens à ce que je disais il y a quelques secondes, est-ce que ce n'est pas nécessaire de vous réveiller? Est-ce que ce n'est pas nécessaire de prendre conscience avec amour, avec vos parts divines, avec ce que vous ressentez au niveau du cœur? Mais est-ce que ce n'est pas nécessaire de prendre conscience, de bouger, de savoir qu'il faut peut-être commencer à réagir? Je dis bien commencer. Je n'ai pas dit que c'était l'heure de la révolte. Ça ne va pas tarder, mais je ne le dis pas pour cette lunaison. Là, on est vraiment dans quelque chose de stratégique où l'on doit prendre conscience exactement de l'état des lieux, recenser un peu la stratégie, nos troupes, etc. Et avec du sens, et non pas gober n'importe quoi, comme voudrait un peu ce Mercure en scorpion qui, lorsqu'il est manipulateur, peut nous faire prendre des vessies pour des lanternes. D'accord ? Alors, à côté de Chiron, donc le sage et bienfaisant, on a donc Mars, le guerrier, et à côté du guerrier, on a Eris, la déesse de la guerre, qui pousse le bouchon dans des extrêmes, qui dit « mais allez !» En fin de compte, elle est un peu comme Makemake, c'est un Makemake en jupon, mais je crois que des fois, le côté féminin ou jupon est encore plus terrible que le côté masculin. Et là, en réalité, Eris, qui est dans le signe du bélier depuis 1920 et qui va y rester encore jusqu'en 2040, on a tous Eris en bélier. Eh bien là, Eris, elle est à côté justement de Mars. Et elle est carrée à Pluton. Oh, oh, oh. Ça, par contre, même si Eris était dans le signe du bélier depuis fort longtemps, le fait qu'elle soit carrée en même temps à Jupiter, à Saturne, à la stratège et à la sagesse de Pallas, Pallas qui est toujours à côté de Niké, déesse de la victoire, eh bien là, il y a des grands carrés. Donc on est pratiquement au pied du mur, par toutes ces Orcus Vesta, hein, opposés à Nessus, opposés à Cérès, Makemake, Eros, opposés à Chiron, on va arriver aussi au signe du taureau. Qu'est-ce qui se passe dans le signe du taureau depuis des années? C'est le poids des mots et le choc des photos. Mais oui, mais c'est pour nous réveiller. Alors là, Uranus, depuis quelques mois, quelques années plutôt, il est en train de déstabiliser les finances, la gestion, les choses, un peu plan-plan. C'est le contraire, hein, il est dans le signe du taureau. Alors le taureau, lui, il veut absolument pas être dérangé. Ah bah oui, mais il a justement la planète la plus intrusive, peut-être, et la plus rebelle du système. C'est pas un guerrier, c'est un réveil. C'est vraiment, c'est une dynamite, mais qui nous force... comme elle le peut, elle est brutale. Elle est brutale, elle n'y va pas, elle aussi, elle ne fait pas dans la dentelle, mais elle est là pour nous donner accès à d'autres plans. Donner accès aussi à des plans de conscience, des plans de nouvelle gestion, de nouveaux groupes, de nouvelles harmonies, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que tous ceux qui ont des planètes au début du signe du taureau sont bousculés. Ils sont d'autant plus bousculés que la lune noire est à côté. Bon, ça ne nous arrange pas. On ne va pas du tout rentrer dans quelque chose de paisible. La lune noire, c'est la liberté. Ah, vive la liberté, mais où est-ce qu'on la trouve, là, la liberté? La liberté, il va falloir aller la chercher avec Uranus? Oui, mais bien sûr. Uranus, réveillez-vous si vous voulez être libre. Ah,
ça me fait penser à quelque chose. Réveillez-vous, la lune noire, arrachez vos masques, arrachez vos bâillons, si vous voulez être libre et qu'on vous honore en tant que personnalité, comme individu et non plus comme une masse de moutons. Réveillez-vous, les moutons, n'allez pas à la boucherie. Voilà ce que nous hurle là, la lune noire à côté d'Uranus. Et cet Uranus ici, bravo, merci s'il est là. C'est pour nous donner un grand coup de pied, peut-être pour nous réveiller, peut-être sur justement une autre façon d'envisager la politique, pas la politique hard, hein, mais la vraie politique, la vraie répartition des produits, la répartition de plein de choses. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours d'économie politique, mais là, on est saturé. La lune noire qui arrive dessus, la lune noire qui hurle, si on ne l'entend pas, c'est une salvatrice, la lune noire. Elle n'est pas guerrière du tout, elle est solitaire. Elle n'est pas guerrière, elle porte le poids de ses convictions. Mais elle hurle si on ne l'entend pas. Comme elle arrive à côté d'Uranus qui lui est dans le taureau, oui, elle est en train de préparer quelque chose avec Uranus. Qu'est-ce qu'elle nous prépare? Je vous le montre, j'anticipe un tout petit peu. J'anticipe d'un mois, mais croyez-moi que quand je vais revenir pour la prochaine pleine lune, là, vous y aurez droit. Parce que ces planètes qui étaient bloquées là, ici, dans le Capricorne depuis des années, il y avait Jupiter aussi depuis un an, ces planètes vont glisser ici dans le Verseau. Oui, remarquez, on a déjà eu Saturne dans le Verseau. Comme par hasard, c'était, je crois, en février-mars 2020. Puis après, Saturne a rétrogradé, il est revenu dans la grotte de l'Ermite, où il a rencontré Jupiter, et où il était aussi avec Pallas. Comme si, au niveau des états, il y avait un espèce de blocus, qu'on n'avait jamais d'ailleurs répertorié, en même temps que Neptune en poisson et Uranus en taureau, on ne l'avait jamais répertorié. Là, maintenant, Jupiter, Saturne et Pallas vont glisser, vont s'échapper, vont aller dans le signe du Verseau. C'est ce qu'il faudra préparer pour la prochaine vidéo. Parce que là, je vous dis, c'est juste une parenthèse pour que vous compreniez ce qui nous attend au niveau planétaire. Quel est le message de ces titans? Uranus, Jupiter, Pallas vont être carrés à qui? Carrés à Uranus, carrés à la lune noire. Et notre fort Mars, lui, va être aussi sur Uranus. Donc en ce moment, ce qui est intéressant, c'est de prévoir intelligemment comment on va appréhender le début de l'année 2021. Bon, je vous ferai une vidéo sur 2021, je le sais, vous me la réclamez, vous inquiétez pas, je vais en faire une. Mais comment on va appréhender, c'est maintenant qu'il faut penser. C'est d'arrêter d'être pris pour des pièges et pour des moutons qu'on va vacciner et empoisonner, quoi. Quelque part, attention, parce que quand il y a eu déjà Saturne en Verseau, on a déjà été prisonnier, on a été confiné. Saturne, en janvier, va revenir aussi en Verseau. Et en même temps, Mars avec Uranus, et tout ça, ça fera un grand carré. C'est maintenant qu'il faut savoir exactement ce que l'on veut faire. Comment est-ce que l'on veut être bâillonné? Ou est-ce qu'on veut faire comme la lune noire, s'émanciper, réagir, se libérer ou pas? C'est toute une question fondamentale qui est posée là sur cette lunaison. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas dévoilé comme planète? Si, ben, j'ai parlé de tout le monde, de Pholus, Nessus, lune noire. Ah ben, évidemment, il y a Sedna. Sedna qui est toujours à la fin du taureau et Sedna qui participe justement au grand changement, au mystère justement de nos capacités de survivance. Sedna, c'est en fin de compte, je reprends ma place, même si les patriarches, même si les autorités ne sont pas d'accord avec moi, je survis à tout. Sedna est à la fin du taureau et pour encore très très longtemps. Et elle nous dit, mais oui, vous allez survivre si vous êtes dans le message de votre propriété, de vos convictions et de votre foi. Ne pas avoir peur,
Senna, elle n'a jamais peur. Même si elle est sacrifiée, elle n'a pas peur. Voilà. Alors, voilà, j'ai fait le tour, Orcus, Makemake. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait un bon bout d'analyse ensemble. Alors maintenant, bah, j'espère que vous n'êtes pas trop saturé au bout de, je ne sais pas, je n'ai pas regardé l'heure, comme à mon habitude. Avant de vous quitter, bah, écoutez, profitez bien de toute cette analyse. Communiquez malgré tout, malgré les embûches. Ne vous laissez pas berner. Hein, et doucement, pour l'instant, c'est pas encore. De toute façon, la violence, ça sert pas à grand-chose, mais il va falloir y réfléchir maintenant pour éviter de tomber dans pas mal de pièges. Voilà, alors, vous n'oubliez pas, j'adore vos commentaires, là, juste en dessous, là, je sais pas si je vise très très bien, mais vous savez que c'est juste en dessous de la vidéo, vous avez plus. Plus dans lequel, effectivement, si vous cliquez sur plus, vous allez pouvoir me donner votre avis. Et puis vous savez que vos avis, j'en tiens compte aussi parce que on est tous ensemble pour ce travail. Et puis si vous voulez mettre un petit like, eh ben c'est avec beaucoup de plaisir et d'honneur. Voilà, je vous souhaite de passer une belle pleine lune pour ce 30 novembre 2020. Au revoir!